just going home. I'm a late, late show. Don't want to meet me at home. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'essaie mon micro, je sais pas si ça va marcher. Voilà, c'est une vidéo un peu à l'arrache. En gros, demain, je pars à Londres, en Angleterre. Et j'avais envie de vous filmer un peu ce que je mets dans ma valise et tout. Je suis clairement pas le genre de youtubeuse hyper organisée. D'ailleurs, la preuve, je fais ça la veille, quelques heures avant de me coucher. Donc voilà, j'ai fait des petites tresses pour avoir les cheveux bien propres demain pour le bus. Et donc, bah, c'est parti. Ma valise, donc c'est plutôt un sac, comme ceci, Air France, et il est vraiment très très cool. Le premier truc que je vais prendre, c'est un pull, enfin deux pulls, parce que je pense que c'est hyper important d'avoir des pulls au cas où il fasse froid. Donc mon premier pull, c'est un pull bleu marine hyper chaud de Hugo Boss, je l'adore, de base c'est à mon père, mais voilà, il dépasse partout, il va avec toutes les tenues, donc je vais le prendre. Je vais plier ce truc et c'est parti. Ensuite, je vais prendre mon pull que je vous présente tout le temps, c'est mon pull Boohoo, il est rouge et je l'aime beaucoup trop. En fait, il a un petit col et tout, donc il tient bien chaud, mais en même temps, il est assez large, enfin, il colle pas. Je peux mettre des t-shirts en dessous et il prend pas énormément de place, donc c'est mon petit pull fétiche. Je vais passer au t-shirt parce qu'apparemment, à Londres, il fait très beau, mais moi, je n'ai pas trop confiance. Donc déjà, je vais prendre mon t-shirt blanc que je porterai demain pendant l'aller, et ensuite, je vais prendre... je vais regarder ça... Donc je vais prendre tout d'abord un débardeur gris, il est vraiment hyper simple. Et ça, en fait, je trouve ça cool de mettre ça sous les pulls. Et comme ça, si il y a une forte chaleur, tu enlèves ton pull, tu as juste ton petit débardeur. Et en plus, il prend vraiment pas de place, donc youpi. Je crois qu'ensuite, je vais prendre mon t-shirt noir, tout simple. Make it happen. C'est un t-shirt, ouais, que je vous ai présenté dans mon haul. Et franchement, je trouve que c'est un basique, genre... Ah. Et il est vraiment super confortable, donc si un jour j'ai la flemme de bien m'habiller, je vais prendre celui-là. Pareil, il prend presque pas de place, donc parfait. Ensuite, je vais prendre une petite touche de couleur, parce que voilà, enfin, je sais pas du tout quel ton il fera là-bas. Quand je pars en voyage, j'essaie d'emmener des habits que j'aime vraiment, genre, que je suis sûre de mettre. Parce que si tu commences à emmener des habits que t'es pas sûre de mettre, tu te retrouves au final avec 3000 fringues en trop. Donc c'est mon petit polo Pull&Bear. Comme ceci. Et je pense que je vais juste tout repasser avant de partir parce que là ils sont vraiment pas du tout repassés et c'est moche, même si je repasse jamais mes fringues. Et voilà, franchement je l'avais payé genre 5€ je crois. Enfin je sais plus, c'était ma mère qui m'avait acheté. Et voilà. Il est très très cool. Là, faire ma valise, ça m'excite trop, genre chaud. Yes, yes, j'ai grave hâte de partir franchement. Je vais prendre une chemise. En fait, cette chemise, elle est vraiment hyper cool. C'est une bleue et blanche. Je l'aime beaucoup. Elle est très basique. Genre, tout le monde l'a. C'est la chemise basique Zara. Sauf qu'elle est vraiment hyper fine. Et donc, comme ça, si un jour je me tape un coup de soleil, ou si je suis pas sûre s'il fera beau ou pas beau, je la prends. Ensuite, je me connais. Je vais sûrement acheter des fringues. Donc, j'essaie de pas trop prendre d'habits. Ensuite, on va passer aux bas. Alors, les bas, faut que je prenne des bas qui soient genre utilisables tout le temps. Donc déjà je prends, oula, mon pantalon dont je vous parle tout le temps qui est tellement agréable. On peut pas faire plus agréable que ce pantalon, donc je le prends forcément. J'aime pas beaucoup les shorts parce que je trouve ça grave vulgaire. Comme j'ai la peau genre hyper pâle, on voit carrément mes jambes. Donc les shorts en jean, je trouve ça hyper moche, vraiment hyper vulgaire sur moi. Mais mon short noir, celui-là déjà, je trouve qu'il me fait pas trop moche fessier. Enfin ça va, contrairement à d'autres shorts qui te boudinent et tout. Et il est pas du tout vulgaire. Bah, donc si vous êtes comme moi, vous aimez pas trop les shorts, je vous conseille des shorts noirs. C'est basique et franchement c'est assez joli. Donc je sais pas quel temps il fera là-bas, mais ce pantalon, donc, qui est mon pantalon Bisby, j'espère qu'il a pas de tâches, il est super pratique pour n'importe où. C'est un pantalon noir, un peu style jogging, mais il est vraiment hyper agréable. Et je sais pas quoi prendre, je sais pas si je prends un jean ou pas. Ouais quand même c'est bien un jean, mais mon jean est cassé, je vais vous montrer ça tout de suite. Il a pas le bouton. En fait, mes deux jeans que j'aimais trop, ils sont tous les deux cassés. Et les autres, j'arrive pas. Genre, je sais que si je les prends, je vais pas les mettre. Donc, je vais aller voir la mère de Tissy, que vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos, pour si elle peut arranger ça. C'est une grande couturière. Non, je rigole, mais franchement, j'aime trop ce jean. C'est un die-out que ma cousine m'avait donné il y a genre 3 ans. Il est ultra vintage, vintage, comme on dit chez moi. Et. Un manteau. Je sais pas quel temps il fera, donc je vais prendre tout d'abord ce manteau beige. C'est mon manteau que je vous ai montré il y a pas longtemps. C'est un Zara, hyper beau, hyper classe,
assez long. Il tient chaud, mais en même temps, c'est pas un manteau d'hiver, c'est un manteau voilà, de printemps. Le premier manteau que je prends, sans doute sur moi. Ensuite, je me suis dit que j'allais prendre une petite veste. J'aime pas trop les vestes, franchement. J'aime pas parce que je me sens souvent serrée dedans. Mais là, c'est une veste bisbee. Voilà, noire, hyper simple. Et je me suis dit que j'allais la prendre quand même parce que avec certaines tenues, ça, avec certains, oui, certaines tenues, ça rend pas mal. Le très très simple, voilà, on adore. Je vais prendre deux paires de chaussures. Alors la première, mes roses, mes Reebok, et ensuite mes autres Reebok grises que j'ai pas sur moi parce que je les porterai sur moi, dont je suis vraiment fan. À chaque fois que je pars en vacances, j'en mets une tenue de sport, même si je sais que je vais pas faire de sport parce que j'aurai la flemme, mais je prends juste mon vieux jogging et ma brassière de sport grise Primark. Je me dis, on sait jamais que j'ai envie de faire du sport. Ensuite, je vais prendre un pyjama. Alors, mon pyjama, j'ai pas de beau pyjama ou quoi, donc il se résume à mon t-shirt. Oh putain, mon t-shirt rose qui a une tache. Donc je peux pas le porter dans la vie de tous les jours, mais il est super beau et super confortable, donc je le porte en tant que pyjama. Et un leggings tout simple, un peu gris. Avant je le portais pour faire du sport, mais maintenant je le porte en tant que pyjama. Évidemment il va faire beau, hein. Donc je vais prendre mes lunettes de soleil. C'est des lunettes de soleil, attendez, je les ai où? Je crois que je les ai eues sur le marché. Non, je les ai achetées en vacances dans une petite boutique, je crois à 10€. Voilà, franchement elles sont hyper basiques. Je suis pas une pro des lunettes de soleil. Et clairement il y a tellement peu de soleil à Rouen que j'ai pas envie de m'acheter des lunettes super chères tous les ans en suivant la mode. Oula. Je vais emmener tout ce qui est genre appareil photo, micro que je suis en train d'utiliser, peut-être ordinateur, mais ça je vais pas vous montrer, ça sert un peu à rien. Je vais emmener sous-vêtements aussi. Je vous propose qu'on passe à tous les petits trucs un peu inutiles mais en fait utiles, genre trousse de toilette. Je reviens avec ma trousse de toilette. Donc tout ce qui est maquillage, j'emmène vraiment très peu et je le prendrai tout demain matin. Enfin, je préparerai ce soir au dernier moment. Et lisseur, brosse à dents et dentifrice, bah, j'en aurai besoin tout à l'heure. Mais sinon, j'emmène ça évidemment. Donc je vais commencer par emmener du Dexeril. Voilà, normalement c'est pour les fesses des bébés, mais moi je l'utilise pour... comme la Bello, comme crème visage, comme crème genre pour le corps. Ensuite j'ai ramené du gel douche, bon le pot est un peu cassé. Ensuite du lait pour le corps, c'est un petit truc échantillon. Un deuxième truc de gel douche. Et mon shampoing qui est le Super U. Je trouve que le plus important en vacances c'est de ne pas changer de shampoing. Oui c'est, ça fait super superficiel de dire ça, mais déjà l'eau parfois elle est pas la même selon les pays. Et si vous changez de shampoing, genre vos cheveux ils vont être horribles. Je vais emmener 3 anabacs, je sais pas lequel je vais prendre parce que j'ai un bac blanc de science à la rentrée et science, non. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je suis en première ES, c'est pour ça que j'ai les sciences en première. Oui, donc ce sera tout. Ensuite, je vais emmener sûrement ma liseuse pour lire, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc c'est tout. Je voulais surtout vous montrer, même si ma valise est en gros bordel actuellement, ce que je mets comme vêtements, parce que c'est le plus important je trouve quand tu pars en vacances. Après j'essaie de pas trop m'encombrer, je vais refaire peut-être un peu de tri. Voilà, j'aime pas du tout voyager lourd, mais j'aime bien avoir quand même des fringues en arrivant là-bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous mentir, c'était aussi pour tester mon micro que je fais cette vidéo. Voilà, je suis consciente du fait qu'elle ne soit pas hyper intéressante. Mais je trouve ça cool de regarder des vidéos un peu chill comme ça, où juste je vous montre ce que je mets dans ma valise. Même si pour l'instant elle n'est pas trop rangée. Donc on va ranger tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bye la mif. Bon c'est bien beau de faire des vidéos, mais je crois qu'il faut que je range maintenant.